Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle série. Ce nouveau DQ Challenge sur DQMJ3 qu'on va faire un Nuzlocke Challenge. Il y aura quelques petites modifications, de toute façon on va voir les règles ensemble. Voilà, je vais voir des émotes, des Pogagito en masse. Oh c'est beau. Bienvenue tout le monde, comment ça va les gens sur le chat? Est-ce que vous êtes contents de revoir du DQMJ3? Ça a été voté, hein. C'était entre Pokémon ou ce jeu-là et bah, celui qui l'a remporté. Je dirais pas haut la main. C'était quasiment kiff-kiff, mais c'est DQMJ3 bah, qui a gagné. Donc pareil, je vous ai fait voter des choses sur Discord. Rejoignez le Discord, hein, pour l'exclamation Discord sur Twitch. Ainsi que sur Twitter et communauté. Donc on va aller voir tout ceci. On va faire une nouvelle partie. On va faire notre personnage. Et après, on parlera du règlement. Il n'y a pas de bandeau. Ah, oh, ça c'est la tristesse. C'est la tristesse. Et pareil, dites-moi si tout est OK en termes de son, d'image, etc. Normalement j'ai tout préparé donc ça devrait l'être. Et on va s'appeler alors Akiki. L'autre fois j'étais sur le stream de Deltras et il y a Yume qui a sorti Akiki. Et du coup depuis on a eu un délire sur Akiki qui est le fiston de Keketo, le plus grand des héros. Donc c'est Akiki. Et bien sûr ce sera sur YouTube aussi. Ce sera sur YouTube. C'est parfait, c'est incroyable. Yeah! Yeah! Ta-da-ta-da-ta! Alors. Donc là, je vous ai fait voter justement pour l'apparence de notre personnage. Le son est fort pour moi, par contre, je vais baisser. Super. Et bah, je vais voir sur mon petit bloc-notes ce qui a remporté, puisque j'ai fermé les votes le samedi. Donc ce qui était après, bah, c'est trop tard. Voilà, c'est les votes, bah, c'est ce qui ont remporté en termes de couleurs. J'ai pris bah, ceux qui avaient le plus de votes. Les voilà. Allez, on confirme. Donc pour qui est la cinématique, nous on la connaît déjà. On remercie encore une fois Sphinx qui a fait la traduction française de DQMJ3. De toute façon, il y a l'esplay sur la chaîne YouTube, on a parlé de tout ceci, il y a tout aussi dans la description, là je ne ferai pas la même chose, allez voir le premier épisode du l'esplay qui est sur YouTube. Alors, maintenant, parlons règlement. Donc déjà, vous pouvez voir en termes d'action, ça reste quasiment la même chose que ce qu'on avait déjà auparavant. Mais il y a une chose en plus, c'est si c'est moins de tout ça... Donc abonnement gift dont 5€ 500 bits, si c'est moins de tout ça, on peut lancer une roulette cadeau qui se fera une fois par session, par stream, pour ce défi-là. Donc voilà, comme c'est écrit, une utilisation par stream. Et cette roulette cadeau, je vais vous l'afficher. Elle est là. Voilà. Et donc ici, vous avez quelques récompenses, mais qui peut être soit utile pour vous, soit le reste est utile pour moi. Donc je vais vous dire les récompenses et le nombre de chances. Vous avez... J'offre un sub au hasard à, ou à la personne justement qui a fait le petit don ou etc. Compte comme une action, donc en plus ça compte comme une action, donc il aura le droit de faire l'action le minimum. Donc là il y a une chance sur 10. Donc il tombera une fois sur 10. Deuxièmement, il y a le droit de recapturer, enfin le droit de capturer un second monstre d'une zone. Il y a 3 chances sur 10 que ça tombe dessus. Merci pour l'orange. Bah de rien, après c'est pas moi. Hein. C'est vous qui avez décidé, hein. C'est pas moi. L'annulation d'une des prochaines morts d'un monstre. 2 chances sur 10. Et merci Ragna. Et bienvenue dans la famille Dragon Questienne, ça fait extrêmement plaisir. Donc là on explique un petit peu le règlement. Et enfin, rien, 4 chances sur 10. Pour les règles, on est sur du Nuzlocke Challenge, mais il y a quelques petits changements par rapport à un Nuzlocke de Pokémon. Donc le style du héros et le starter seront choisis par vote. Vote fait sur Discord, communauté et Twitter. Là c'est fait pour le starter, on va voir juste après. Le droit de dresser uniquement le premier monstre venu dans chaque zone. C'est basique d'un Nuzlocke Challenge, pardon. Nouvelle tentative de dressage sur le monstre, sur le même monstre si c'est raté. Puisque on sait, c'est pas de capture à la Pokéball, c'est du dressage, il y a des pourcentages, on peut rater. Aïe, bienvenue, bienvenue ceux qui arrivent maintenant. Deuxièmement, si un monstre meurt, il est définitivement mort, il sera donc relâché. Donc faites attention à ceux que vous voulez transformer aussi. Exception pour le starter qui ne sera jamais considéré comme mort. Comme ça, ça évite qu'on recommence tout le jeu. Donc lui restera vivant à vie, on devra le garder jusqu'au bout. Impossible de remplacer un monstre en combat tant qu'il n'est pas mort. On a une équipe principale, on a une équipe secondaire. Tant qu'il n'y a pas un monstre de l'équipe principale qui n'est pas mort, eh ben, on n'a pas le changer avec un monstre de l'équipe secondaire. Après, hors combat, on peut le changer. Le droit de recapturer les premiers monstres venus d'une zone s'il ne reste plus que le starter en vie. Donc ça c'est ce qui est farming. Peut-être qu'on le fera ensemble, mais il y aura beaucoup de choses qui seront faites hors live. On trichera pas bien entendu, après c'est sur la confiance. Et enfin le droit de farmer hors live, voilà, qui est la dernière règle. Donc après, bah, j'ai tout dit. J'ai tout dit.
Donc là, on va attendre pour le starter. Et le starter, il y a des choses à savoir. Je sais pas si vous êtes au courant de comment les choper. Je sais pas si Sphinx aussi a la petite astuce de savoir qui on a ou qui on n'a pas. On va voir ça tout de suite. Alors, j'offre un sub au hasard. À moi? Merci. Non, c'est soit t'offres au hasard, soit toi-même. Mais le problème, si t'es abonné, en fait, je peux pas te rabonner. Donc, ce serait plus pour les personnes qui sont pas abonnées. Les personnes qui sont abonnées, ce serait plus au hasard du coup. J'aurais envie de jouer à ce jeu, mais je n'ai pas compris pour l'avoir en français. Bah, t'as tout! Nighthix, tu vas dans la description du premier épisode. T'as un fichier que Sphinx a créé, que j'ai ajouté dans la description. Ça va te faire télécharger un truc que va falloir dézipper avec WinRAR. Prenez pas 7-Zip. 7-Zip, ça déconne, tout écrit de toute façon dans la description. Donc WinRAR, et t'as un fichier texte qui va te dire comment il faut le faire. Voilà, les actions sont super. Bah, c'est cool. Ça vous plaît. Bon, c'est à peu près sur la même chose que d'habitude. Hein. Je sais que ça vous plaît assez bien. Mais c'est grave dur. Oh la dégaine. La dégaine du personnage. Cheveux verts, foulard jaune avec un pantalon jaune et des bottes orange. Aïe 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 aïe. Je suis nul en informatique. Il n'y a pas besoin d'être fort en informatique. Vraiment. Tu suis ce qui est écrit. Tout le monde peut le faire. Aie confiance en toi, Inetix. Aie confiance en toi, tu vas voir, ça va bien se passer. Hop. Alors c'est là que ça va se jouer. Donc, à un moment, le robot va nous proposer soit d'aller se promener. Se promener, on va récupérer un Vampivol en starter. Si on choisit la sieste, on va choper un Shagriffer, ce qu'on avait eu sur le LP. Et ce qu'avait eu aussi Flito, je crois qu'il a eu le Shagriffer. Si on décide de lire un livre, on aura le Pintrollé. Et si on décide de vouloir parler à un mob, à un monstre, on aura le Cholergine. Et pour les votes, eh bien c'est Shagriffer, il n'y a eu qu'un vote. Il n'y a vraiment eu qu'un vote. Le Vampivol, il y en a eu 10. Ce qui est pas trop mal. Le Cholergine, il y en a eu 20. Non mais franchement, vous avez été beaucoup pour voter. Ça fait extrêmement plaisir. Vous étiez nombreux à être là, à être présents. Mais c'est pas le gagnant, le Cholergine. C'est le Pintrollé avec 27 votes au total. Donc le Pintrollé, il faut décider de lire un livre. Voilà. Que prévoyez-vous pour le reste de la journée, maître? On va lire un livre, bien sûr. Je me raffiche juste mes trucs moi à côté, histoire 2. Peut-être une autre sieste. Non. Donc là, on va dire non. Je dis non. Pas de sieste. La sieste, c'est le shérif, donc c'était le premier qu'on avait fait. Donc là, je vais vous chercher un nouveau livre à lire. Et là, on dit oui, pour avoir le Pintrollé. Ben voilà. Est-ce que tu avais l'astuce Sphinxounet ou pas pour ce truc? Et en termes de règlement, de starter, de coloration du personnage, tout a été dit. Et le Risto, eh ben, il commence déjà. Hein. Il commence déjà très fort. Parce que c'est un resub, mais ça compte pour un sub, bien entendu. 18 mois, notre cher Risto. 18 mois, aïe aïe aïe. T'as accouché de deux enfants. Je profite du saboto pour t'annoncer que j'ai presque fini le jeu. Ah. Oui, parce que le Risto fait un petit jeu qui va nous partager plus tard. On l'attend. Il ne me reste plus qu'à finir le perso et à tester le jeu pour voir s'il est terminable. Après, je pourrais l'envoyer et bien sûr, bah, la gagner. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des gens qui ont récupéré aussi des actions lors du précédent challenge sur DQMJ2. D'ailleurs là on est sur quelque chose comme vous pouvez le voir qui est un peu plus simple. Parce que sur DQMJ1 et DQMJ2, on a vraiment morflé mais de fou. Alors j'aime bien le challenge mais là on a vraiment un peu trop abusé. On retourne sur quelque chose de plutôt simple. Ça va me calmer, surtout qu'il va y avoir des choses qui vont arriver par la suite. Oh ça donne dans un. Oh bon t'es gracieuse, ma vision horrible, frappe encore une fois. Moi j'adore faire cette voix-là pour lui. Oh là là, je suis vraiment désolé, je vous ai pas fait de mal, n'est-ce pas humain? Pintrollé. Ouais, le Cholergine et le Pintrollé, c'était vraiment les votes où il y a eu le plus de nombre. Les gens les trouvaient chou. Ah, c'est un fromier. Alors, t'as vu le nom? C'est un fromier. Tu m'avais retourné le nom, ça s'appelait un Pintrollé, mais c'est un fromier. Donc, c'est le fromier. Je crois parce qu'il y avait un nom que t'avais inversé avec un autre, tout comme ça. J'espère que mon jeu sera pas trop dur. J'ai pris les stats des mobs directement des jeux d'origine pour que je puisse te l'envoyer avant les 35 ans Dragon. Oh! Ah, si je les envoie avant les 35 ans, c'est très bien. Parce que là, j'ai tourné mon autre vidéo, mon autre sujet. Vous avez eu le sujet lors du justement de la dernière vidéo spéciale, les 35 ans Dragon Quest. Mais il va y avoir un trou, il va falloir que je réfléchisse aussi à d'autres sujets. Et s'il y a ça entre les deux, ça peut être cool. Peut-être pourriez-vous être l'un de ces boîtes monstres? Oh oui? Il a pris d'affection. Souhaitez-vous qu'il devienne votre allié? Bien sûr. Parce que si on dit non, pas le choix.
Donnez-lui un nom. Allez, Akiki va donner un nom au monstre. Hop. Et bien sûr, on va l'appeler comme ça. Tac, tac, tac. Pour son nombreux, ses nombreux soutiens même. Qu'il fait sur la chaîne Twitch. On le nomme Ulristo. Ulristo le démon. Ulristo, c'est un nom assez raccroché. Vous êtes en train de faire votre mousse après tout. C'est corrigé. Ok, ouais, non, c'était ça, c'était corrigé. Puis étant donné aussi que t'avais fait. Je crois que t'avais récupéré un abonnement ou t'avais fait un gift sur la fin de DQMJ2. Et que t'avais dépensé 100 bits sans trop. Bah voilà, c'est cadeau. Au moins, tu es notre starter. Ulristo. Alors, ça va être quoi mon premier monstre? Ah bah ça, bah voilà, c'est un gluant. Voilà. C'est fait. Ulristo, le formaggio. Parmigiano, Ulristo, formaggio. Donc, on a parlé, c'est en termes de zone. Faut regarder sur la carte parce que les zones sont différentes sur une même map. Donc c'est pas toute cette map-là qui compte pour une zone. D'accord? Eh bah écoutez, on va faire lui. D'ailleurs, je vais voir c'est quoi ses compétences. Hop. Alors, défense, bang, bonus défense. Ouais. Pas trop mal. De toute façon, il y aura des transformations avec vous, hein, je vous connais. Corps normal, défense, inaction, esprit indomptable. Défense, inaction. Au moins, je perds pas de tour. Ce qui est génial aussi, corps normal, esprit indomptable. Esprit indomptable, je sais plus ce que ça fait. Il est faible à la tornade. Ah, la diminution de défense, ça c'est pas cool. Mais l'effort au séisme, il prend la moitié de la gravité, l'effort à l'élec. Et il prend la moitié sur... D'accord, donc il a une bonne résistance en termes d'attaque. Elle est bien, hein? Regarde, regardez. Confusion normale, endormi, résiste. Paralysie moitié, torpeur moitié, poison fort, fort, fort. Ça va. Ça va, ça va. Alors, je vais rappeler un peu les personnes. Donc, nous avons Quel Jump. Quel Jump qui aura le droit à un truc niveau 1. Nous allons avoir encore un deuxième Quel Jump qui aura le droit à un niveau 0. Non, c'est un niveau 2. Attends. Non, c'est un niveau 2 et un niveau. Non, niveau 2 et après niveau 1. Nous avons Ven qui a le droit à la totale sur un monstre. Donc, la totale sur un monstre, c'est un niveau 2. Nous avons Ulristo qui a pris du coup un niveau 0. Je synthèse plus non. C'est ça. Donc voilà un peu les personnes. Si jamais vous êtes dans les parages. Au moment où on pourra faire les synthèses. Et bah vous allez pouvoir faire n'importe quel choix. Est-ce que je tape avant? Je pense pas que je le tue. Hein. Histoire que je l'affaiblisse. Donc premier monstre de zone. Ah non, défense d'inaction! C'est lui qui met l'inaction! Ah c'est fort! C'est très fort. Il n'y avait pas un truc pour améliorer la vitesse normalement de combat? Dans les options. On va tenter le dressage. Donc là si je me rate, on a le droit de le refaire. 70. Couleur jaune, c'est ma couleur préférée. Ça commence bien. Ça commence bien. La défense d'inaction a mis 10% en plus. Ah non, c'est plus tard la vitesse, non? Parfait. Donc un petit gluant. Qui est notre premier monstre hors starter. Qu'on va appeler... On va l'appeler Glucide. Gluant, bonus agilité, au moins il aura du soin, mais il faut pas le perdre. On est en Nuzlocke, si on perd un monstre, c'est fini pour la vie. Très impressionnant, et bien maintenant je suis certain que vous êtes un autre monstre ni. C'est quand même de vous rencontrer comme ça, je peux sûrement maintenant sauver ma tribu. Ouais, je pense qu'il y aura au moins peut-être 2-3 sessions avant qu'on puisse faire des synthèses, mais de toute façon je vous garde un sur le côté. Hein. Toujours je vous garde dans bloc-notes, même quand c'est des fins d'autres séries de DQ Challenge, je vous garde. Vous le méritez quand même. Vous avez pris des actions. On va pas laisser ça dans le vent.
plus, ça fait combien de temps qu'on n'a pas refait un deck challenge? C'était quand la fin de DQMJ2? Qu'est-ce qu'on a morflé sur DQMJ2? Le rang L challenge, no items. Vache qu'on a pris cher, hein. Bon, bah du coup, on est de retour. Vous pouvez mettre des failles encore hein, sur le chat si vous voulez. Comme DQMJ2. Malheureusement, avec Citra, au lieu de faire sauvegarde rapide, j'ai fait chargement rapide. Parce que les noms se ressemblent. C'est pour ça. Et du coup, bah j'ai fail. J'ai dû recommencer jusqu'à maintenant. Et j'ai recapturé un gluant. J'ai mis le même niveau. Sauf que le gluant a une compétence en moi. Et non, du coup, il a gagné que de 3 points de compétence au lieu de 5. Il n'a pas premier secours. C'est pas grave. C'est parti, fail. Coucou, petite astuce vituelle pour battre le Saint-Bernard qui est à côté. Attaque-le avec un Leviathan dans l'équipe. Tu l'endormiras à chaque fois qu'il attaque. Merci, Toile. J'espère que ça va, toi. Mais on va pas risquer avec notre challenge. On va pas risquer. Alors, peut-être que s'il est endormi de base et après on continue à frapper, il s'endort encore. Mais j'avoue que j'ai pas envie d'avoir un game over tout de suite, quoi. Donc c'est le fail, voilà, c'est le fail, et tant pis, on fait avec, on aura un gluant avec 3 points de compétences. Enfin, 2 de compétences différentes au lieu de 3. Ok, bah c'est bon à savoir, hein, toi, c'est très très bon à savoir. Hein. Surtout qu'on a des personnes dans le chat qui jouent aussi au jeu. Donc si jamais... Et en plus, j'ai pas le droit, je suis en auto challenge, je dois capturer le premier monstre que je vois dans la zone. Le premier monstre, ça a été un gluant, ça n'a pas été le livre. Quoi. Mais si jamais vous avez de la strat. Allez voir Jack, il vous attend droit devant. Donc dans cette première session, bien sûr, on aura un boss. Et on a perdu... Bah, on a perdu 10 minutes, en vrai. Hein. C'est ce que j'avais dit. Je vais quand même leur montrer ce petit gluant. Du coup, il est dégueulasse. Il n'y a que gluant et bonus agilité. L'autre, il en avait 3. Tristesse. Premier boss. Ça commence tôt. Hein. Avec deux petits clampins à côté... Le gluant va te carry. Oh, cette musique. Je vais donner des ordres, je vais faire bang. Oh là là. Ah mais c'est vrai, dans ce jeu, on a la tension. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Défense, mets-toi en défense. Okay, je suis mis comme du 2. J'ai beaucoup de PV, en vrai ça peut passer, lui il a de la défense supplémentaire. Attention, ah la même chose il fait. Effrayé, marche pas. On a perdu un tour. 6, ok. Ça, wow, ça va le faire non? Ça va le faire. Attention 25. Gros coup de bang dans leur tronche. Maintien une défense. Comme tu ne l'as jamais tenu. En vrai, je crois que le starter il est très très bon. Vos votes vont m'aider. On les a arrachés. J'ai perdu un tour. Ça va, tant que c'est pas mon Gugu, ça passe. C'est ça, esprit indomptable! Tension 25 parce qu'il est tension 25. Mais bon, si vous voulez choisir un starter, je pense que celui-là, allez sur celui-là, je crois que c'est le plus abusé de tous. What the fuck. Deux coups, il est mort. Esprit indomptable. Tu le tapes, il peut te mettre à une inaction. Il est trop fort. Eh bah bien joué à ceux qui ont dit oui. Que j'ai réussi. Vous avez gagné des puntos. Trop fort ce starter. Prenez le premier. Parce que je me rappelle le chagriffeur, il était pas si puissant que ça. Hein. Son petit sort de glace. Lui la bang. Bang ça touche tout le monde. Glace c'est un seul. Ton live est chill, c'est sympa. Bah merci beaucoup. Ouais, on est très chill. Après, est-ce que ça va être chill très très longtemps? Ouais, c'est là. C'est Dark Vador. Pas trop, hein, avec le défi qu'on a. Donc, ouais, voilà. C'est le bruit insecte qui s'appelle. Tape.
Et flamme lui. Tous ses dégâts. Il fait quand même ses dégâts. Hein. Ouais, lui aussi fait ses dégâts. Défense une action. Paf. Bon, malheureusement, je le finis. 36 PV, coup critique. On va faire une petite tension avec les deux. Pareil, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée de laisser la tension comme ça, qu'on peut faire tout le temps avec n'importe quel monstre? Ou ça devrait être obligatoirement des monstres qui doivent avoir un attribut ou une compétence pour la tension? Moi, ça me correspond comme ça. C'est bon. Et toi, on va t'appeler. On va t'appeler Vadouche. On va te mettre comme la douche. Vas-y, comme la douche. Vadouche. Donc, monstre niveau 6, c'est notre niveau. Il a féroce et bonus agilité. Il a beaucoup d'attaques. Protection imparable, double esquive. Donc, il doit esquiver mieux. Grand normal. Ok. Voilà. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. J'avoue que s'ils ont commencé à partir du numéro 1. Et non pas violent, monsieur. Enlever les mots de la bouche. Allez. Alors, je peux juste choisir la tactique. Je sais pas ce que je vais faire de toi. Tu vas mourir, mec. Soin avant tout. Il a que 9 PM. On va mettre un sans pitié au début. Tactique. Un petit sort de banque, ça peut être pas mal. Et toi, tu vas faire pas de magie. Gardez vos PM, s'il vous plaît. Pas de magie. Gardez vos PM. On va en avoir besoin pour la suite. 7 de dégâts déjà, il subit. Mais j'ai dit pas de magie. Il a pas de magie. Il a utilisé de la magie. En fait, ouais, il déchire. Il fait des dégâts. Pas là pour plaisanter. Mais arrête de faire des flammes. Tape. Merci. Garde tes PM, il est fou lui. Avec Lucide, va falloir en reprendre. Deuxième tour. Aïe 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 aïe. On va le perdre l'autre. Je sens qu'on va le perdre. Soin avant tout. Au pire, si... Bon, je vais faire soin avant tout, peut-être comme ça, il le fera pas. S'il fait prendre les secours. Mais attention ça, au cas où ça passe pas. Bon, là, j'ai pas besoin, parce que j'ai mon sort bang. En vrai, il faudrait que je sois... tension 5 pour les finir, mais tension 5, ça vaut pas le coup. Me faire des agissements. Ça pique. 16-5. Tactique, support effet nocif. Pas de magie, s'il te plaît. Et toi, sans pitié, à 16. Il y a quoi, la 25? Essaye de te soigner si tu peux. Ok, mon gluant. Mon premier qui a beaucoup de défense. Défense d'une action, bim. Trop fort. Ah, c'était... Ok. Merci, j'attends, je crois que c'était moi. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, c'était l'adversaire. Oui, ça compte aussi. Bien sûr que ça compte. Casse-toi, toi. Synthèse, tu feras comment? Les synthèses, c'est... Bah, tu peux voir, à côté du chat, il y a des actions et c'est les personnes qui feront... Bah, comment on fait d'habitude, Fit? Soin avant tout, va falloir que tu le soignes lui. Merci bien. Et en plus, je peux pas faire de tension. C'est eux qui décident. Non, pas mon client. C'est bon, raté. Je sais. Ah ouais. C'est pas bon ça, Glucide a pris très cher. Enfin, tous mes monstres ont pris cher.
Totora passe et deux trucs endormis. Soin avant tout. Ah si, on peut cumuler l'attention, ouais, on peut faire ça. Je vais peut-être le faire du coup. Il va falloir qu'il finisse tout le monde. Faut que je m'en souvienne hein, du jeu. Ok, tapez-lui, c'est bien. Boum. C'est bloqué, prochain tour. Ok, lui va bourriner comme il faut. Toi, tu vas prendre aussi 6 PV. Et il va mourir, il va mourir. Il va mourir. Accumulation de tension, soins. Ok. Non, c'est bon, les soigner. Mais se prendre 2-3 attaques, c'est fini. Hein. Ouais, on va les compter les morts aussi, hein. Sinon c'est pas très intéressant. Sur 25. Il prend 9. Vache. Et maintenant, sans pitié, un gros sort bang dans leur tronche. Le Risto et le sort bang me carry. Hein. Faut pas se mentir. Pas se mentir, j'aurais pas lui en tant que starter, j'aurais bien plus galéré que ça. Oh, ils avaient là. Bang! On a pas perdu Dark Vadouche. Oh, c'est beau. Il a failli mourir, hein. 2-3 fois, mais. Les échanges de bons par Wi-Fi, ça court. Non, y a pas d'échange. Mais pourquoi je gagne autant de PV? C'est le jeu qui était comme ça qui gagne autant de PV? J'ai 97 PV. Ça me paraît fou, niveau 9 pour un rang F. Et lui, 74. Par contre, toi, Badouche, t'as failli clamser plusieurs fois. Donc, je joue pas trop le malin. TPM, lame explosive. Je sais combien, j'ai 8 points, je passerai à 13. Élève, ouais, je dépense 7. On va aller là. C'est rien, c'est le starter. Pour le moment, elle est forte. Après, vous allez pouvoir l'évoluer et choisir ses compétences. Et là, il peut devenir vite de la merde. Protection, je prends. Avec de l'agilité. Et enfin, Vadouche qui est nul. Stimulation. 8 et 8, 16, non. Agilité. On ira prendre des PV, en avoir besoin. Ok, bon, bah, c'est réussi. Pour le moment, malgré le fait que tout à l'heure du reset, sans faire exprès, tout se passe bien. Aucune perte. C'était serré. En fait, non, c'était pas serré. C'était. Mon gluant et mon fromier, ils défonçaient tout. Même si c'était que deux, ils défonçaient tout. Mais l'autre. Les monstres étaient mis en stade de mémoire. Ouais, je sais, mais je me rappelle plus que c'était autant au début. Avoir pratiquement 100 PV au niveau 9. Je peux changer la vitesse des batailles. Là, c'est cool. Tutoriel montée terrestre. Super Thunder. Hop. Tac. Alors. Ah bah voilà. Et voilà, c'est le premier. J'aurais vu à gauche, j'aurais, tu vois, je serais parti à gauche. Ça aurait été le Touki le Toucan. Mais non. On va aller sur lui. Ce sera le monstre de la zone. Oh non, pas lui! Y'a personne qui est content! Dégage! Aïe aïe aïe. C'est vrai qu'il a quoi? La bonus défense? Et quoi d'autre? C'est vrai que c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Attaque lui, défense. Non. Attention. J'essaie de perdre personne aussi, donc je fais attention. J'aime bien ce piaf avec des buffs agi. Cassez-vous, monsieur le rouage! Eh ben non. Eh ben non, l'oiseau rouage va venir avec nous. Ah ouais, ça tank bien. Bah, j'ai déjà mon ruisseau qui tank. Après, est-ce que tu prends directement le mob qui était sur le terrain ou tu peux prendre un mob qui est dans le groupe du monstre qui pop? Prendre un mob qui est dans le groupe du monstre qui pop. Un monstre qui était sur le terrain. Bah, le premier qui est à moi.
S'il y a un Monsky Pop, bah ce serait le Monsky Pop du coup. L'appeler comment lui? C'est un rouage-gorge. Rouage-gorge, soutien-gorge. Je sais pas, moi. On va l'appeler soutif, ouais. Voilà, soutif. On a un petit peu coquinou pour lui. Putain, je me suis fait agresser. Je l'ai pas vu arriver. Oh merde. Défense. Je suis une tafiole. Eh, hey, tafiole. Quoi? 33? Ok, Bobby. Wep. Je sais quoi, je. Si je suis, je peux perdre des gens aussi. T'as pas mon gluant. Ok, 7, ça va, c'est mieux. C'est quand même mieux. Tout le monde en défense. Fuck. Mamie. Une claque! Ah, j'ai pas aimé, hein. Tu fais quoi? Tu fais bang ou tu tapes normalement? 6, ok. Bang. On l'a tué. En plus, on a failli perdre notre gluant. C'est-à-dire que si tapait une deuxième fois, j'aurais joué le malin. Il reprendrait peut-être 33. Bon, gluant, faut que je le perde. Vraiment pas, il faut que je le perde, monsieur. Amène-toi, frère! Eh, il m'a fait flipper, hein. Mon col a sursauté. Sachant qu'il est arrivé de nulle part en plus, je me suis fait agresser. Il était. Bah, il est tout là-haut. Et Tuki! Ça, Tuki. Les cornichons, c'est bon, les cornichons. Hop, pierre de téléportation. Donc, nouvelle zone, porte du nord-ouest. Là, j'ai le droit à un nouveau monstre. Quel va être le premier monstre? Attention! On ne regarde pas. Mais je peux pas lui. Tant pis. Devait être lui. Bah écoutez, je vais dire non et je vais pas le capturer. Tant pis, j'ai pas d'autre monstre. Je vais pas le tenter, non. On est joueur? Il va faire trop mal. Trop mal. J'ai déjà adressé à 4% sur ce jeu plusieurs fois. 4%? Non, c'est bon, laisse tomber. Zéro chance, ouais, zéro chance. Ça, je suis désolé, on va pas le tester. Donc, bah, dommage, ça aurait pu être toi, mais malheureusement, ce sera pas toi. J'aurais bien voulu l'avoir, lui, par contre. Le petit chewing-gum. Vas-y, teste. Non. Ouais, 4%, ça se fait. Tu connais la chance d'Agito? 4% c'est 0,4 hein. Je crois que Zelan ne connaît pas ma chance. C'est pour moi du 70% c'est 7% donc Non bah c'est tout, on n'aura pas le droit d'avoir un monstre ici. Je laisse tomber. Je pense qu'il y a beaucoup plus malchanceux dans le monde que moi, mais moi je suis très malchanceux. C'est ok. Arrêtez, c'est pas ok. C'est pas ok du tout. Ouais, vous allez me donner envie de le tester. Hein. Je t'offre un peu de ma chance. Eh bien, écoutez, on est joueur. Allez-y, on est joueur. On y va. J'avoue que Felito, lui, il a eu un moment où il capturait les monstres. Tu te demandes. Waouh! Oh, Silver! Oh, Silver! Ah, il a pas remarqué ma présence. Alors, attends, mon cher Silver. Déjà, je vais faire ça. Silver! Tu as pris un abonnement de niveau 1. Déjà, je te remercie beaucoup. C'est ton 7e mois! Pas de nouveau badge, mais dans 2 mois tu auras un nouveau badge. Et bien sûr, je te rajoute, tu pourras choisir une synthèse ainsi que son nom. Silver, je vais marquer niveau 0.
Ça c'était niveau 0, du coup c'était pas niveau 1. Ça c'était niveau 0. Tout à la mob. Bah, j'en change de façon. Alors. Déjà c'est PV. C'est pas ça c'est PV? C'était comment c'est PV? Alors, on pouvait pas voir ses PV? C'est ça normalement pour les PV. Je pourrais le voir lui. Tension. Ouais, la protection serait bien. Allez, tension. Tension. Tension, je vais en perdre un. Hein. Dans quoi vous me lancez? Sérieusement. J'ai le pouvoir des viewers avec moi. Ah! Peut-être tout changer du coup. Ok Bobby, on se calme. Donc déjà une chose est sûre, je peux faire tension. Ah non, il était en défense. Attends, j'ai bien défensé, j'ai fait une tension avec lui. Il a pris cher. Vas-tu rester en défense, je vais te remettre une arme médicinale. Je gaspille, mais c'est pas grave. Oui, j'ai le droit aux items. J'ai mis en défense. Ok, ouais, donc j'ai pris cher. Oh ok. Ah bah il s'est fait défoncer la tronche. Merde, j'ai déplacé je crois. Ouais, ouais. Ouf. Je suis plus à 29 PV. Dans quoi vous m'avez embarqué? Dans quoi vous m'avez embarqué? Le problème c'est si je soigne. Ok, je me soigne, c'est cool. J'ai perdu ma tension. Où je me soigne. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas soigné le bon. Oh merde. Oh merde. On va tout perdre. Je suis à deux morts. Je suis planté de target. Shit. Il attend sur 5 en plus. Il attend sur... Défense. Défense. Air médicinal. Ok. Ouf, ça c'est bon ça. Dressage. Oh mon dieu. Eh. Je l'ai fait pour vous, hein. J'ai perdu 3 monstres, hein, c'est tout. J'ai juste perdu 3 monstres. Va falloir les relâcher dès qu'on peut. Oh mon dieu! Je savais que j'aurais pas dû faire confiance. Ah là, je vais être gentil avec vous et bah vous l'êtes pas avec moi. Bravo le veau. 3 KO. C'est pas grave, on voulait une action. Et bah voilà, vous en avez une action. Et c'est tout pour cette aventure de DQMJ3 Nuzlocke. J'ai failli le perdre lui aussi. Hein. Il me reste le plus fort. Ouais, mais il y avait lui. Et puis Glucide. Il était fort aussi. C'était comment qu'on voyait les points de vie? C'était pas ça, stats. Non, on pouvait pas aller voir les points de vie, merci. C'est moi qui ai mis louche ou... Avant, on pouvait voir les points de vie, non? Bon, attention. Dans une action, ça c'est bien. Tactique, accumulation de tension. Ça s'embête pas. Si le sort des manches. Message. Pas mal.
Ok. En fait, ça commence par un S et un O. On va l'appeler Sauveur. Sauveur et beurre, quoi. En plus, il est jaune, donc ça correspond bien à la tumeur. Ah. On va l'écrire comment du coup? Comme ça. Patte de R. Ouais. Sauveur. Sauveur, le dernier des dragons. Qui va nous sauver ou pas du tout? Sauveur. J'allais l'appeler Sorry. Sorry, sorry. Soleil. Ça pouvait aussi soleil. Mais après, les noms, vous allez l'avoir avec vos actions. Donc, laissez-moi donner des petits noms quand même. Je vais pas les revoir très longtemps. Ok, donc j'arrive à la zone, j'ai deux monstres. Il nous reste 20 minutes de live. 20 minutes de session. Ah, mais c'est pas le méca chasseur qu'on va voir en premier, je crois pas. Hein. Par contre, c'est le méca chasseur, très clairement. Toi, je sais pas si tu le sais, Toil, mais ça fait partie de mes monstres préférés. Donc si tu tentes le méca dragon, non, non, c'est bon. C'est bon, je vous ai fait confiance une fois, vous avez trahi ma confiance, je le fais plus. Voilà, c'est tout. Il fait la gueule. Par contre, je suis pas soigné. Je suis pas soigné. Mais pour le moment, je peux pas les relâcher. Non. Les relâcher, il va falloir avoir accès à la boîte. Donc c'est pas tout de suite. J'aurais utilisé une herbe médicinale au pire. Ok. Point de compétence. J'ai perdu mon gluant à cause de vous. J'ai dû voir, je dois continuer l'aventure sans mon gluant. Et jusqu'à temps que je sois game over. Tant que je suis pas game over, je suis pas en train de récupérer des monstres là. Alors. Souffle de feu. Oh, je vais peut-être le mettre. Protection. Maximum de PV. Ah. Maximum de PM. C'est la malédiction, ça. On va prendre du souffle. Max PV, grille. Avec de l'agilité. 3. Il me reste 5 points. Je peux avoir des PM en plus. Et après, on aura crit de guerre, attaque plus suite et souffle brûlant. Il faut beaucoup de points. Pas mal. Vas-y, laisse-moi ces bébêtes. C'est méduse en premier. Ah, donc ce sera peut-être la méduse. Eh ben c'est cool, alors tu dois aimer notre machine à tuer, exterminer. Toutes les machines comme ça, c'est ma famille préférée, les monstres. Je peux re-raconter l'histoire si vous voulez, hein, mais c'est dans Dragon Quest 8, ça a été mon premier Dragon Quest. Et ma première équipe au complète avec le même thème, ça a été les méca chasseurs. Et depuis, je les trouve super stylés. C'est une méduse! C'est une méduse, bah tant pis. En plus, il était pas loin! Oh, c'est dommage! Il était pas loin. Bang et attaque le vampivole. Après la méduse, ça va, c'est un support, donc je dis pas non en vrai. Je dis pas non. Là j'ai des attaquants, un qui est plus sur les aptitudes et un sur les sortilèges. Ah, ça peut être bien lui. Attention. On va le dragon parce que ça fait. Attention. Tu peux accéder à la boîte? Je peux accéder à la boîte là? Et cette méduse, elle ne soigne pas celle-ci. Elle a des compétences foudre. Ah, elle est plus sur les sortilèges? Paralysie, bonus sagesse, protection, altération. Ok. Elle a bonus sagesse, mais elle a pas le sortilège. Eh ben, écoute, tu le mérites ton nom. Grâce à ma remarque, bah, j'ai réussi à lui trouver un nom. Médiocre. Aïe aïe aïe. Donc ouais, comme tu l'as dit, Jonathan, mon glucide, il a un équipement qui est l'anneau d'agilité, mais... bah, le problème, à part si
on n'a pas le droit de le relâcher avec un équipement, mais on devra le relâcher avec l'équipement si on peut. Soulant. Mais oui, il a rien. Il a rien. Pire fait ça, on va te mettre en lent, support soutien, paralysie. Ça va être votre machine dans pas longtemps. À voir. Il n'y a pas beaucoup de PV aussi, hein, 36. Je crois que les monstres du début ont plus de PV que ceux de maintenant. Trop bizarre. Je vais faire du sport avec du Renault dans les oreilles. Ok, très bien. A tchuss, Navi, merci encore. Échec. Sérieux. Tactique. Que me sens de tension. Puis les autres ont... Si lui aussi. Vous voyez ma chance. Quand je vous dis que ma chance c'est de la merde. Attention au prochain follow. Eh oui, le prochain follow, il aura une récompense. Pas de ma part par contre, c'est pas moi qui l'ai dit, mais il aura une récompense. Donc si quelqu'un qui a pas follow, profitez-en, vous allez être le 666e follower. Synthétiser 16 mégachasseurs entre eux, vous aurez une machine à exterminer. Ouais, bah je sais, je l'ai fait tellement, t'inquiète pas. Hein. On l'a fait en let's play hein, sur la chaîne YouTube. Il y a des monstres, on a fait très très souvent. 66,2. Ça c'est le chiffre, c'est que des 66 depuis tout à l'heure. Medabot. Pur animé à l'époque. Bon, maintenant ça a mal vieilli. Ok. Eh ben c'est bon. On se casse. Et on en a fini pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois il y aura des synthèses et là vous allez pouvoir faire vos choix. Comment vous avez apprécié cette première session avec 3 morts, 3 monstres morts, toujours pas de game over. Ça a failli hein, par contre, hein. Le game over ça a failli, mais voilà. On a eu que des pertes, mon petit gluant qui est parti. Là j'ai une grosse crainte, c'est que j'ai pas de soigneur. J'ai aucun monstre qui soigne. Mon gluant il faisait protection, il faisait aussi premier secours. Des bisous, il en care. Et tchuss.